Bonjour Gabriel Cortès, merci d'être avec nous aujourd'hui pour le Zoom équestre. La première question que je vais vous poser, c'est de votre relation aux chevaux. Je crois que la réponse se trouve dans la question. Le cheval, c'est une relation justement. Donc c'est une relation de confiance, c'est une relation respectueuse. Et on peut considérer de cette manière-là que le cheval, si on voulait le résumer, c'est en fait un ami. C'est-à-dire un confident, quelqu'un vers qui on va, un autre soi-même, comme disait le général Durand, l'ancien écuyer en chef du cadre noir, qui avait résumé la situation par une formule que je fais mienne. Être homme de cheval, c'est considérer le cheval comme un autre soi-même et prétendre à la réciproque. Deuxième question, c'est votre relation à la littérature équestre. Alors moi, je fais partie de ceux qui ne peuvent pas vivre sans livre. Donc la littérature, c'est voyager par la lecture finalement. Et quand on ouvre un livre qui parle de chevaux, d'équitation, qui a trait à la culture équestre, finalement on voyage avec son fidèle destrier en tête. Et donc la littérature équestre, c'est une forme de voyage par la pensée, autour ou avec les chevaux. Donc c'est à la fois un réconfort et une source d'enthousiasme inépuisable. Merci. Vous êtes auteur, vous avez écrit un livre sur James Phillies, vous en préparez en ce moment un autre, mais vous allez vous parler de prix Pégase là. Bien volontiers, d'autant que le prix Pégase a été attribué cette année, a été décerné à un livre consacré au régiment de cavalerie de la garde républicaine, écrit par Patrick Boissier et Pascal Baril, qui est le photographe qui l'a illustré. C'est un livre magnifique dont je recommande la lecture à tous les passionnés de chevaux ou à tous ceux qui s'intéressent aux chevaux et aux chevaux de l'État, c'est-à-dire à ceux de la garde républicaine en particulier. Un très beau livre paru aux éditions Glénat qui présente les coulisses du régiment de cavalerie. J'ai trouvé magnifique et ce prix Pégase est tout à fait mérité.